bien salut tout le monde, Sex VSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Black Ops 6. Alors, on va reprendre la mission à la tout tour. D'ailleurs, je vais faire un truc vite fait dans les options graphiques. Allez, le jeu, charge. Nous avons un casino à braquer. Allez, hop. Option, graphisme, qualité. Ah non, il était déjà en qualité, d'accord. Alors j'avais dû changer après épisode, je sais plus. Allez. Casino. Casino. Allons braquer le casino. Il s'avère que B24 fait référence à un coffre-fort situé dans la salle des archives du casino Lutazzi. Quant au transfert dont parle la disquette, je suppose que le Panthéon finance ses recherches grâce à l'argent blanchi par les casinos. Quoi que contienne ce coffre, je parie que ça nous mènera directement à Koussef. C'est l'idée. Du coup, on va devoir entrer dans la chambre forte. Mais c'est pas l'argent qui nous intéresse. En effet, il faut que je sois à l'intérieur pour désactiver la sécurité de la salle des archives. Et pendant que les Lutazzi seront distraits par notre casse, Kay s'infiltrera à la salle des archives et ouvrira le coffre. Ça risque d'être un peu compliqué de s'en approcher. Pas si la sécurité escorte Kay jusque dans l'aile de la salle des archives. Où ils interrogent généralement les personnes suspectes. Vous voulez que Kay se fasse capturer volontairement? Tout à fait. C'est risqué. Et chacun d'entre nous aura un rôle à jouer. À commencer par moi, qui serai à la table des flambeurs. Quand j'aurai gagné gros, le plan se mettra en marche. On sera prêt. J'en doute pas. Allons découvrir ce que le Panthéon cache dans ce casino. Woods, t'es prêt? C'est bon pour moi. J'attends juste Case. Et toi? On peut y aller. Bienvenue au casino Lutazzi. Donnez des jetons. Je sens que la chance est avec moi ce soir. Très bien, signore. Est-ce que vous portez des armes que nous devrions contrôler? Ah. Mieux vaut éviter que des perdants mécontents aient des armes sur eux. Grazie. Bonne soirée. C'est le grand luxe ici. Marshall, dirige-toi vers le panneau en face de l'expo de voiture. À droite du bar. D'accord. J'y vais. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. La maison perd jamais, Sev. J'étais pas là pour jouer, mais pour des affaires de la guilde. C'était pas joli. Aujourd'hui, le casino Lutazzi est une zone neutre. Les autres factions d'Avalon respectent ça. Je pense que je vais arrêter les frais. Punaise, l'architecture, elle claque! C'est stylé! Bonjour, monsieur. Vous semblez être un homme de goût qui apprécie le luxe et le raffinement. Et un avantage. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que t'aimes le poker, Marshall. Tu vas devoir gagner ta place parmi les gros flambeurs. C'est notre seul moyen d'accéder au salon. Le salon des gros joueurs contient ce qu'on cherche. Alors, comment va ta femme? M'en parle pas, lui. J'ai choisi la mauvaise table. Asseyez-vous. Si vous me permettez. Il n'y a pas de honte à perdre, monsieur... Marshall. Monsieur Marshall. Bienvenue, signore. Vous êtes là pour jouer au Texas Hold'em et tenter de peut-être gagner le pass pour le salon. Je m'en réjouis d'avance. Tout est prêt, Case? Tu sais quoi faire? Pirate les trois boîtiers électriques pour me donner accès aux caméras. Hein? Sur la
mia posizione! Trova un riparo! Attention, quelqu'un a demandé des renforts. Federico! D'autres volontaires? Ta gueule. Les communications radio sont calmes. Tu peux y aller. Occupe-toi des boîtiers électriques. Alors, un arrache-clou. Regardez le piou-piou, hein. Jamais, hein. Ça n'a pas été bien difficile de tous les flinguer, hein. Par contre, j'aimerais bien avoir de l'armure. J'ai les images de la salle de surveillance. Il hésite pas sur les moyens. Encore un. Allons discuter en privé. Ça ira. Casey est. Marshall, c'est à toi de jouer. Gagne à cette table et tu pourras accéder au salon des gros joueurs. Mon nouvel ami est d'humeur généreuse. Il me donne tous ses jetons. D'où je viens, on apprend dès le plus jeune âge à gagner avec grâce et humilité. Dommage pour vous, c'est pas le Kansas ici, Dorothée. Ce jeu est réservé aux grands, c'est pas pour les enfants. J'aurai ce passe. J'ai une caméra derrière cet abruti. Notre chance va enfin tourner. On est là pour papoter ou pour jouer? Mise. Suis. Notre cher ami américain devrait apprendre à reconnaître la défaite. Mise. Putain, j'arrive pas à voir ces cartes. Oblige-le à bouger. Mon adversaire est non seulement intrépide, mais aussi complètement fou. Il a un 9 et un 10 de trèfle. Rien d'intéressant. Relance. Relance? Eh ben, quelle assurance. Suis. Devrais-je avoir pitié de lui, ma chérie, hein? Il bluffe. Il a que dalle. Signor Badeau, check. Relance. Signor Marshall, mise. Tu vas le plumer, ce fils de pute. Suis. Et maintenant, la dernière carte. Sa seule chance est... Et merde, ce salaud a une quinte. Tapis. Seb, à toi de jouer. Marshall,
quoi que tu gardes dans ta manche. C'est le moment de t'en servir. Votre boisson, monsieur. Oh, vous devez être... de merde. Pardonnez-moi, monsieur. Laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que vous faites? J'suis arrêtez vraiment ça désolée. C'est encore pire. Laissez-moi, hein. Oh, mince. Vous avez besoin d'une minute? Non, non, juste... partez. Hein? Reprenez la partie. Tapis. Messieurs, abattez vos cartes. Un full. Quoi? Full au 7 par les valets. Signor Marshall l'emporte. Comment c'est possible? Bien joué. J'avance vers le salon des grands joueurs. Woods, tu vois le chef de table? Affirmatif. Il a une carte d'accès qui lui pend au cul. C'est exactement ce qu'on veut. J'entre, je fais diversion. Je prends la carte et je la donne à Félix. Félix, t'es en position? Bien sûr. Je me sens bien ce soir. Désolé, signore, il vous faut... Ceci? Félicitations. Passez donc. Il est dedans. Marshall, prends à droite. Tu peux placer le brouilleur sur la machine à sous la plus proche des doubles portes. Félix, ça va être à toi. La machine est cassée, vous ne pouvez pas... Revenez! Enfin, vous avez mis du temps. Quel est le problème exactement? C'est pas évident. Ah, oui. Maintenant, j'ai prévenu la direction. Comme je te l'ai déjà dit, le problème ne vient pas des machines. Je vais devoir réinitialiser... Alors faites-le. Hé, hey, toi, cette dame a besoin d'un seau pour porter ses gains. Signore, désolé, mais vous ne pouvez... Peut-être un grand sac marron avec un dollar imprimé dessus. Vous devez comprendre qu'il y a eu un souci technique. Nous essayons de... Retourne dans la salle des serveurs et réinitialise les machines à sous, Félix. Je me demande ce que je ferai là. Je me dirige vers la salle des serveurs. Une fois que j'aurai réinitialisé les machines, je passerai à la phase suivante. J'ai rien fait. Je t'avais dit de plus jamais ramener ta petite face ici. Je vous jure, c'est pas moi. Hey, qu'est-ce qui prend autant de temps? Dépêchez-vous de remettre ces machines en marche. Tu dois réinitialiser le serveur, Félix. C'est bon, gratis. Maintenant, je dois reprogrammer cette carte magnétique. Après ça, on pourra accéder à l'armurerie et à l'ascenseur. Alors, 7-2-7-2-9-0. Ah merde. Là. La zone est sous haute surveillance. Évite de te faire repérer. J'aime pas la filtration, bordel! C'est par où? Je parie que le code de tout à l'heure marche ici aussi. Merde! Je vois un conduit. Tu pourrais peut-être l'utiliser. Ouais, je savais que tu y arriverais. Ouais, je savais que tu y arriverais. Sérieux là?
Eh merde, faut que je le déglingue si je veux. Vas-y. Non, je pense que je vais attendre que le monsieur en face revienne. Histoire de lui faire une petite élimination silencieuse, tu vois ce que je veux dire. Oh putain! Il va pas venir regarder, j'espère. Bouge ton cul! L'ordinateur que je cherche est dans cette pièce. Il me servira à reprogrammer la carte d'accès. J'active l'accès à l'armurerie et à l'ascenseur. Alors, deux. Ah non, c'était pas ISTC. Pourquoi je sens que c'est copié-collé? Non? Pas copié-collé, effectivement. C'est K... Allez, je me casse. J'aime ramper, j'aime ramper toute la journée. C'est mon stylé d'aller dans des comptes. Ah, je me tais en fait. C'est pas vrai, je suis pas là. Bien joué, Félix. Donne la carte à Sev. Le casse va bientôt pouvoir commencer. Une fois qu'on aura fait diversion, ce sera à Cave de jouer. Je suis de retour dans le casino. Que dirais-tu d'un petit verre? Ce serait pas de refus. Alors dirige-toi vers le bar. Un verre de schnapps, s'il vous plaît, avec des glaçons. Tout de suite, signore. Mon ami est une sorte de... Et voilà. Santé. Donc. J'arrive dans 3 secondes. C'est bon, carte en main. J'y vais, je descends. Hey ! Tiens, je vais prendre ma pause. Avec cette carte, tu as maintenant accès à l'étage de haute sécurité juste en dessous. Seul le cercle fermé des Lutazzi a accès à cette zone. Elle y est. Sev. Trouve l'ascenseur au rez-de-chaussée et envoie-le-nous. Je m'en occupe. Rapporto. Tutto tranquillo. Confermo. Qualcosa non va. Hai visto? Capito. J'aurais bien aimé savoir que ce mec allait me regarder bizarrement. Controlla e fai rapporto. Capo,
Confermo. Vieni fuori. Ho appena sentito qualcosa. Quoi? Comment ça, je me suis fait spotter instant? Y'a même pas eu d'icône comme quand j'étais en train de me faire. C'est bien, il y a eu des coups de feu, mais bizarrement, personne ne... 9, 6, 0. Il est à vous, les gars. Moi, je me dirige vers l'armurerie. Quand t'auras trouvé ton bonheur, dirige-toi vers le coffre-fort. On te retrouve là-bas. 6, 0. Avec ça comme garde ici. Grosse blague. Je suis dans l'armurerie. Une bonne prise en main. Ah d'accord, faut prendre les armes. Une autre. Ouais, laisse-moi choisir, connard. Oh. Pas un magnum dans le coin. Oh, ça, ça me plaît. Tout est prêt. Je sors. Bien reçu. À tout de suite. Hé, les petites fouineuses. Vous n'avez rien à faire ici. Je suis conscient. Non, ne faisons pas attendre Case. Sev, c'est 4. Ça va péter. J'allume. N'oubliez pas, on n'aura pas beaucoup de temps avant que les gardes ne débarquent. Place au feu d'artifice. Sève. Ça a marché? Parfaitement. Tu localises le panneau de contrôle? Merci bien. Va avoir de la compagnie. Sors de là et prends une arme, Seb. Comment ça, monsieur, vite une arme? La procédure est complexe. Quoi, sur la gauche? On a même pas fini ici. Je
Attendez, je recharge les bitches. Hey, par ici. On doit s'occuper de ces connards. C'est fait perdre de temps comme ça. Francesco, allez, termine ça et emmène-les en bas. Encore. Va les aider là-bas. Je m'occupe de ça moi-même. C'est toi qui es derrière tout ça? Moi qui pensais qu'on allait te laisser tranquille. Oh non, tu mérites pire que le canal. Ça risque de pas être très agréable. Maintenant, récupère le matériel et dirige-toi vers la salle des archives. Ok, papa. Qu'est-ce qui se passe dans le coffre ? C'est l'heure d'un petit nettoyage en règle. Génial. Ah, on retrouve les potes. Le bateau nous attend sur le canal. Beau travail, Case. L'équipe te doit une fière chandelle. Suis-moi. L'étage principal grouille d'ennemis. Il reste quelques civils, alors fais gaffe où tu tires. Oups. Ah, même au bar, ils sont armés. Oui. Dans le tas. Ouais, mais j'ai pas d'armure moi, j'ai rien. La question c'est comment est-ce qu'on va les tuer en fait?
Oh non, je l'avais. Les canaux sont plus très loin. C'est par là en plus qu'il fallait aller. Enfin. Comment on va faire ça? T'as cru que les IA que nous sont immortels, hein? Y'a pas à dire, je suis vraiment pas fan des ennemis avec des boucliers, moi. Je dirais, mais c'est normal, mec, ils sont là pour te faire chier. Non. Pas d'accord. Détache le bateau, Case. Oui, Marshall, j'y vais. Examiner tout ce que contenait le coffre-fort de la salle des archives du casino. Sev et Félix avaient raison. Les Lutatsi faisaient transiter l'argent du Panthéon par le casino. Contre une belle commission. On a trouvé ce qu'on cherchait. Des virements ont été envoyés à un labo du sud de l'Irak. Au nom de Matvei Gousseff. On prévient Adler pour qu'il aille voir sur place. L'horloge tourne. Mais si on arrive à parler à l'expert en armes biologiques du Panthéon, on pourrait peut-être faire éclater tout ça. T'es au courant que t'es à Washington et pas dans un trou paumé en Alaska? Pas vrai? Chut, silence. J'ai pas le choix, j'imagine. On a un problème. Case, Félix! Après toi. On y reviendra plus tard. C'est Adler. Répète ça. Marshall. Il est parti. Développe. Le labo est vide et Gousseff s'est fait la malade. Alors on est foutu. Pas encore. Il restait un scientifique avec une bonbonne du berceau. Comme celle qu'on a récupérée dans le palais. Et ? On a eu une conversation animée. Animée à quel point ? C'est un coup monté. Les activités du Panthéon pointeront directement vers Saddam Hussein. Gousseff est en route pour l'aéroport du Koweït en ce moment. Ben, cet aéroport se trouve en zone de guerre. Même si on part maintenant, est-ce qu'on pourra l'atteindre? Je connais quelqu'un du Suncom dans la zone, il pourra peut-être nous aider.
Peut-être. Bon, si on part dans l'heure, on sera là au petit matin. Terminé. Case, prépare-toi. On aura le temps de dormir sur la route. Pourquoi Case, prépare-toi là? Non, la bonne bibine. Non. Impressionnant aujourd'hui. Enfin, le légendaire Felix Newman en action. Ouais. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai besoin de me confesser. Je n'ai absolument rien d'un prêtre, Félix, mais... Vas-y, je t'écoute. J'ai terriblement honte de ce que j'ai fait au casino. Tu prends ce principe de non-violence très au sérieux. J'essaie. Puis j'ai vu ces brutes de Lutazzi tabasser un homme sans défense, sans aucune pitié. Un abus de pouvoir terriblement absurde. Personne n'est innocent dans cette ville. Après ça, quand j'ai croisé le garde devant le coffre-fort, j'ai perdu le contrôle. À mes yeux, il représentait soudain la totalité de ce que je rejette aujourd'hui. Alors je l'ai puni. Bien. Il méritait certainement bien pire. Si je me laisse aller à ce genre de comportement, je ne vaudrais pas alors mieux que l'ennemi que l'on poursuit, non? Car t'as pitié pour les victimes. Tu as fait ce qui était nécessaire, c'est tout. Non. Ma réaction était cathartique. Jouissive même. On n'arrêtera pas Arrow et le Panthéon avec des mots gentils et de la bienveillance. On a toujours le choix. C'est bâti. Pas toujours. Pop pop pop, comment elle t'a redressé là? T'as des nouvelles de Livingstone? Non. Mais Félix lui a envoyé tout ce qu'on sait sur Arrow et le Panthéon. Arrow a peut-être encore son soutien. Ou peut-être pas. Mais il nous fait toujours pas confiance. Qu'est-ce qu'on en sait? Il faut le secouer dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Ça. Ça me paraît bien comme ça. Eh, je vais pas tarder à plier bagages. Mon instinct me dit que non, mais je mettrai pas ma main à couper. Jane n'a pas cherché à le protéger. Elle a eu aucun problème à nous mettre sur sa trace. Cette arme biologique est étrange. T'en as subi les effets, mais de toute évidence, ce qu'ils ont maintenant est 3 fois plus puissant. Je pense qu'ils préparent quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui sèmera la terreur. Ce sera intéressant, c'est certain. Let's go.
capitaine Sims. Pas maintenant. Je savais bien que je croiserais le diable à force de traîner en enfer. Il ressemble à quoi ? À peu près à ça. J'ai quitté l'Anglais à cause de toi. Tu t'en souviens, non ? Le central commande, hein ? C'est transparent. Pas d'ambiguïté. Tu devrais essayer un jour. Oh non, c'est un peu tard pour ça. Tu peux nous amener jusqu'à Gusev ? Je peux vous en rapprocher. Mais Doc, j'en ferai pas plus. Maintenant, j'ai changé de poids. Quand vous aurez ce que vous voulez, oubliez-moi. C'est la deuxième fois qu'on me dit ça cette semaine. Seigneur, aidez-moi. Rassemble ton équipe. On part bientôt. C'est lui ? Un tas de mercenaires pour un rat de laboratoire ? Gusev fabrique l'arme biologique du Panthéon. Il connaît ses projets. Comment il peut dormir la nuit ? T'as pas des conseils pour lui ? J'espère pour lui qu'il sera vivant quand on le trouvera. On est en zone de guerre, Adler. C'est pour ça que je viens avec vous. Pour pas que tu fasses de conneries. Ça fait de nous une équipe d'assaut, hein, Case ? On arrête de parler, mettez-vous en route. Je vous guiderai, alors éteignez pas votre radio. Attends, Case. Adler est en guerre. On a des règles ici. Faut que tu les respectes. On y va. Pourquoi je commence avec un sniper ? Dégager le passage. Ça brûle bien, hein ? Contact, stabber sur la passerelle. Ah merde. Frappe de mortier. Faut les éliminer. Équipe de mortier éliminée. Encore un mortier. On doit stopper ces mortiers. Mortier neutralisé. On s'occupe du reste. C'est ça mon équipe ? On est que 3 ? Ah oui, moi je vous couvre, vous voyez. Il nous bloque la route, passez en force. Il est où le coquinou qui m'a tiré dessus là ? Oh merde ! Alors, on vient se suicider. Éliminez derrière les 4 titrons. Cible à terre. Ah, c'était à l'heure. On les a presque tous eus. Presque. La zone est dégagée.
L'avion de Gusev se trouve de l'autre côté du terminal. C'est pas la porte à côté. Ouais, faut se manier. Je pars à droite. J'espère que la grenade est pas à côté de moi. Tout au fond. Ah, comment j'ai pu louper ça, sérieux. Arrête de bouger ma gueule. Ouh là là, je potais toi même là. Ah, il est où le dernier? Ouais, c'est bien vu, t'as vu, regarde, il est encore vivant. J'ai l'impression que quand on tient dans les barils explosifs dans le jeu, ça fait absolument rien. RAF, ouvrons cette porte. C'est une vraie boucherie. Un problème? J'espère juste que ce gousset m'en vaut la peine. Oh oui, crois-moi. Ah, écoute, statistiquement parlant, apparemment il en vaut la peine. Merde. RAS, ouvrons cette porte. C'est une vraie boucherie. Un problème? J'espère juste que ce gousset m'en vaut la peine. Oh oui, crois-moi. Reculez. Adler, casse-toi là! Bon, pas battu! N'abandonne pas! Portez, on se replie! En avant! Merde! Ces types du Panthéon ne plaisantent pas! Maintenant, tu sais ce que j'ai envie. Pas de moulin ici. Avance. Avance, vas-y. Va te suicider, Case. Putain, avance, avance. Ouais, t'as vu ça? Ouais, avance.
Tiens de pas mourir. Ça, c'est problématique par contre. Attendez les gars, je reviens, il me faut des munes. Oh merde! D'où il m'a suivi, cet enfoiré? T'avais vu ça? Il m'a suivi jusqu'ici, cet enfoiré! Attention où tu tires, toi qui as foncé ma grenade, connard. L'avion de Gousset est à droite. Il est pas encore sur la piste. Les chars de la coalition seront là d'une minute à l'autre. Alors faut qu'on aille vite au portail. Adler, quelle est ta situation? On approche de l'avion de Gousset, il est pas encore parti. Il y a des blessés ici. Vérifie les angles. Ils ont pas l'air armés. Gardez votre calme. Hein? C'était moins une. Il y a des munitions sur le comptoir, sers-toi. Rose baston! Avancez! Techniquement, j'ai tiré un casque silencieux, ils sont pas supposés savoir que je suis là. Hein. Putain, eux, les one-shot, quoi. Allô, au portail. Bande de tricheurs. La passerelle, là. Plus vite. Ah. C'est le gazeur, lui. Oh,
déjà d'avoir un ennemi avec une sacrée barre de vie. Voilà, moi. Ah, j'ai rien. Ouais, reste pas là, reste pas là. Il est temps de monter dans cet avion. Ouais, j'aimerais bien avoir des munitions à monter dans l'avion, si c'est possible. La gueule Adler là. Oh. Pas décollé. Il est pris entre nous et la colonne de char. Marshall, on est sur le point de monter dans l'avion. Reçu. Capturez-le et partez. On a la coalition au cul. Regarde dans la cabine. RC, attention. La voie est libre. Bon. Aucune trace de Gousseff pour l'instant. Putain. Jace, à toi de jouer. J'espère que t'as pas transformé Gousseff en passoire. RAS. C'est pas l'avion de Gousseff. On s'est fait avoir. Marshall, il nous faut un visuel sur Gousseff et vite. Je suis en train de fouiller la zone. Les chars seront bientôt là. Trouvé, devant le terminal 3. Il l'emmène vers un avion de transport militaire. Terminal 3, c'est de l'autre côté de l'aéroport, Doc. Alors on coupe à travers le tarmac. Ça va pas la tête, mec. C'est char. Qu'est-ce que tu disais? Si on passe pas par le tarmac, on va perdre Gousseff. On va se faire massacrer si on reste là. Pourquoi faut toujours qu'il ait raison? Défoncer. On ne sera jamais à temps. Je trouverai un moyen. On s'arrête pas. Comment ça, on s'arrête pas? Par ici.
Ouais, mets ta remarque. Attention, des hélicos de la coalition approchent par l'est. Oh. Attends, il est dans un char? Évidemment, Case, on y va! C'est le seul passage! Les chars de la coalition vont nous allumer dans le T-72! Putain! Je vais me faire pulvériser par ma propre colonne de chars! Hunter, je vois un T-72 traverser le tarmac comme un malade! Ouais, ça doit être nous. D'accord. Maintenez le cargo, interceptez l'avion cargo de Goussep. Ils avaient aucune chance. Oula, catastrophe. Ça te rappelle pas d'Adam, Sims? Ouais, c'était un bon merdier, ça aussi. Ouh. Pop, pop, pop. L'avion de Goussep se dirige vers la piste. Ah putain, maximum dégâts là, hein! La zone que ça vient d'entrer sur la piste! L'avion décolle! Tire, Case! Bien fait pour sa gueule! Touché! L'avion est cloué au sol! Faut qu'on bouge! Tu es difficile à trouver, Goussef. Il est grand temps qu'on ait une petite discussion! Pitié! Le Panthéon m'a pas laissé le choix! Il a menacé ma famille! T'y crois, toi, Sims? Non, nos enfants sont probablement inclus avec le portefeuille. On a bien fait d'apporter notre détecteur de mensonges. Case, fais-le parler! J'en sais rien! Pourquoi est-ce qu'elle me l'aurait dit? Tu mens. Non! Je vous jure, il ne partage avec moi que le string nécessaire! C'est plus ça! Case? John Arrow m'a apporté un agent biologique, le berceau, venant dans labo américain. Le Panthéon voulait que je le rende infectieux, plus virulent, que les victimes se déchirent entre elles. Comme des animaux. Avec qui travaille Harrow? Daniel Livingstone? Jamais entendu ce nom. Qu'est-ce que je vous dis que j'en sais rien? C'est la vérité! Pitié! Vous devez me croire! Termine-le, Case. Non! Non! Stop! Arrêtez! Je ne connais pas la cible, mais je sais où je se trouve là. On t'écoute. Forkuta, un ancien corps de prisonniers russes. Il a été transformé en labo d'armes biologiques il y a quelques années, avant de fermer ses portes. Mais il contient encore tout le nécessaire pour accélérer la production du perso. Ça suffira. Tu peux l'éliminer. Non ! Ça suffit ! Il nous a dit tout ce qu'il savait. Tu te radoucis avec l'âge, Sims. T'as tes manières de procéder, j'ai les miennes. Et Goussef est mon prisonnier maintenant. Marshall, t'as tout noté ? Affirmatif. La source est à Vorkuta. Je vais prévenir les autres, on doit partir au plus vite. Si le berceau sort de ce camp, le Panthéon pourrait le libérer n'importe où, n'importe quand. Des millions de vies sont en jeu. C'est à nous de l'arrêter. Si le berceau est à Vorkuta, le Panthéon défendra bien cette base. On approchera à basse altitude pour atterrir à distance. Et ce sera à toi de jouer, Seb. Très bien. Je marche jusqu'au périmètre pour infiltrer la base. Puis je dois trouver un uniforme du Panthéon et je l'enfile. C'est compris. C'est dans tes cordes. Une fois à l'intérieur, repère les lieux. On veut savoir quel système de défense ils utilisent pour essayer de les affaiblir. Un sabotage? Je crois bien que ça devrait me plaire. Une fois leur défense HS, on entrera tous dans la base. On devra trouver et sécuriser le berceau. Tu te sens prête? Comptez sur moi.
Il y a une forte présence militaire ici. Ils semblent tous appartenir au Panthéon. Tu penses pouvoir entrer ? Je suis déjà à l'intérieur du périmètre. Je dois juste me fondre dans la masse. Tiens-nous au courant. Il fera l'affaire. Marshall, j'ai mis l'uniforme. Je m'apprête à partir en repérage. Dis-nous tout ce que tu vois. On fera le repérage à un nouvel épisode. Mais attendez, ça sent un petit peu la fin, là, non ? Pas pour vous ? Laissez-moi un instant. Si je tape Black Ops Chapters... s'il veut bien charger, bien sûr. Et hop. Alors... Ah non, il nous reste encore... avec celle-là, au total, ça fait un total de 3 missions. Bon, ben, peut-être encore 2 vidéos après celle-là. Allez, sur ce, nous, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude, comme des joues-culs. Vous, que ça se sent, vous, que c'est l'Eric, vous, que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutou-partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Bye, bouti-bouti. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.